Hey yo tout le monde, c'est Miros, fermez-la un petit peu, arrêtez de gueuler vous trois là. Yo tout le monde, c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve pour... Mais ils se battent en plus. On se retrouve pour la suite donc de Spore. Un épisode, un début d'épisode qui commence vachement bien, ils sont tous en train de se bastonner là derrière. Alors je suis revenu à peu près au point où on en était je crois. Puisque j'ai fait ami-ami avec les marrons, hein, c'est toujours les mêmes, c'est les anges. Et donc je vais reprendre des ressources parce que j'ai zéro ressource hein, concrètement, donc ça se complique. Faut aussi que je change des trucs dans mon atelier, voilà, là où on en était la dernière fois. On devait changer notre habit, nos habits plutôt, j'allais dire notre habitement, mais ça ne se dit pas. Cueillette niveau 2, social niveau 2. Alors moi j'ai quoi là? J'ai cueillette niveau 3, social niveau 3, donc ça c'est pas cool. Ça, combat niveau 5, wow. Mais ça coûte 25. Ça, état niveau 5, ça, social niveau 3. Et je peux le mettre. Donc je vais mettre ce petit pagne du plus bel effet. Et retirer le truc que j'ai qui me file social 3. Voilà, c'est le chapeau. Hop, on retire le chapeau. Alors, je vais retirer ce truc qui me donne état niveau 2. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai qui me donne état niveau 2? Ça doit être mes épaules. Oui, mes deux boucliers. Donc je les enlève. Hop. Alors ça, c'est combat niveau 5. Ça, état niveau 5. Donc au final, je vais peut-être mettre ça. Ouais, alors, je vais mettre la toque de boulanger. Hop, retirer mon magnifique plastron. Désolé, petit plastron. Et je vais mettre le Security Bazar. Hop, voilà. Qui m'apporte un niveau 5 d'état. Donc, plus de vie. Et plus de vie, c'est cool. Ensuite, le Guéluron, qu'est-ce que c'est? C'est un cœur? C'est mignon. Qu'est-ce que je peux enlever? Est-ce que si je vire mon masque, j'ai assez de points? Ça coûte 25, ça coûte 10. J'ai combien? J'ai 3 points. Non, ça suffira pas, j'aurai 13. Alors, qu'est-ce que je pourrais enlever d'autre? Déjà, je vais réduire la taille de ma toque de boulanger puisqu'elle est très grosse. Je pense qu'au final, ouais, on est bon. Hein. Ça me paraît correct. Mes ailes sont un peu trop hautes, je trouve. Tant pis. Je me suis un petit peu trempé la dernière fois. Donc on a cueillette niveau 3, ça ne change pas. Combat niveau 2, ça ne change pas. De toute façon, je pense pas me spécialiser en combat. Social niveau 3, ça c'est quoi? C'est la vitesse. Ouais, vitesse niveau 4 et cueillette niveau 5. Donc c'est cool. Je sais pas ce que ça fait concrètement d'augmenter le niveau de cueillette. Si ça augmente le nombre de ressources rapportées ou le nombre de ressources qu'il peut porter sur lui au maximum. Alors est-ce que ça va encore bugger? Dis-moi que non. Non, c'est bon, je vais save au cas où. Hop, sauvegarde. Ok, parfait. Comme ça, si jamais ça bug, je reprends exactement là où j'en étais. Mes petits potes, là, ils sont repartis à la chasse. À la chasse aux fruits, bien sûr. Hein. Alors, les bleus, c'est lesquels qui m'avaient attaqué la dernière fois? C'était les verts, je crois. Donc j'espère qu'ils ne vont pas m'attaquer cette fois. Ils sont 9? Sérieusement? Parce que s'ils viennent à 9, ça va poser problème. Mais pourquoi j'en vois que 3 alors? Les violets clairs. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Eux, ils sont quoi pour moi? Je ne les vois pas. Très bien. Ils sont agressifs. Et les marrons, c'est mes potes. Bon, au final, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai l'impression, dans ce jeu. Ici, c'est quoi? Ah, c'est un futur camp, ça, d'accord. Un futur camp avec des mecs pas chargés, c'est cool. Ouais, j'ai déjà 48 de bouffe! Oh putain! Eh, vous bossez bien, les gars.
Du coup, ce que je peux faire, c'est un bébé et ajouter un truc. Ouais, allez, harpon de pêche. Hop, on va le tourner plus par là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre après? Les maracas, ouais, c'est bien les maracas. On les fera aussi quand on aura assez de bouffe. Donc toi, mon petit, tu vas grandir pour devenir un pêcheur et tu iras pêcher. C'est le principe. Alors, est-ce que là je peux... Oui, je peux faire les maracas. Tac. Parfait. Voilà. Donc là, c'est un peu le coin sociabilité. Alors que là, ça va être plus le coin guerre. Ça va être sympa, ce village. J'ai toujours mes trois copains derrière, hein, voilà. Les trois copains de la phase d'avant. Mes chiens de garde. J'ai bien fait de prendre des gros, n'empêche, parce qu'ils ont plus de vie. Ils ont 250 points de vie chacun. Donc c'est plutôt cool. Ah, une tribu repérée. Ok, une tribu passe à l'attaque. Ce serait bien que le bébé augmente de niveau. Enfin, devienne un adulte, quoi. Hop, allez, tout le monde dépose. Allez, Artiolt, deviens un grand. Voilà, bien Artiolt. Tu vas devenir un pêcheur. Mais mangez pas, bande de cons, qu'est-ce que vous foutez? C'est parce qu'il a plus de vie? Possible. Ok, donc. Toute la team, ici. Allez les mecs! Montrez que vous êtes des pros! Hop! Allez, et tout le monde attaque ici. Est-ce que le chef est là? Non, ils ont pas de chef. Ils n'ont pas amené leur chef. Du coup, on pourra pas se débarrasser de leur team. Hop! Allez, lance de guerre! C'est vrai que je l'ai pas fait ça la dernière fois. Quand ils nous ont attaqué aussi. Ça permet de se débarrasser plus rapidement des ennemis parce que ça fait une attaque puissante. Complètement au pif, hein, mais puissante. Allez, on attaque ce mec. Bim. On repasse en mode social et... Ah merde! Ok, il m'a volé toute ma bouffe, lui. Oh les chiants! Ok, bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais j'ai eu des bleus et des violets qui sont venus... Qui sont venus prendre mes affaires. Ok, sympa, merci les mecs. Alors, toi le nouveau... Qu'est-ce que tu vas devenir? Ouah, le mec il a fait un drap! Bah oui, j'ai les maracas, je suis bête. Tiens, allez, deviens un maracasseur. Sans encore freeze! C'est une blague! Putain, non, là, le jeu se fout de moi. Bon, on se retrouve tout de suite. Ok, donc, re tout le monde, c'est toujours Miros. Pour vous annoncer une mauvaise nouvelle qui va vous dégoûter, hein, puisque vous aimez cette série. J'ai déjà... Après ce que vous venez de voir, voilà, j'ai réessayé un total de 3 fois. Ça a à chaque fois frisé à nouveau. Donc forcément, je me suis dit qu'il y avait un souci quelque part. Donc je suis allé chercher sur internet. Je suis arrivé sur le wiki spécial sport, hein, le sport wikia comme ça s'appelle. Et dans la partie des bugs majeurs, il y en a un qui s'appelle le tribal stage freeze. Donc c'est ce qui m'arrive. Qui dit que parfois dans la phase tribu, le jeu aura des freezes. Ce freeze est permanent sur toutes vos sauvegardes si vous avez évolué en étant ami avec n'importe quelle créature, je crois que c'est ça. Et si ça nous arrive, eh bien le jeu est cassé pour toujours. Voilà. Donc concrètement, je ne peux pas continuer cette série puisque le jeu est cassé pour toujours. Ça me fait chier parce que j'aimais beaucoup cette série et je sais que vous aussi. Donc en plus c'est un jeu que j'aime beaucoup malgré ses quelques défauts. Du coup va falloir que je trouve un autre
un autre jeu à faire à la place. Oui, j'en ai plein des jeux, hein, mais. Bon, ben voilà. C'était la mauvaise nouvelle du jour. J'espère que vous n'êtes pas trop dégoûté et que je trouverai un jeu pour remplacer ça. Je vais peut-être passer directement à Saints Row 3 comme j'aurais dû le faire à la base. Si vous le souhaitez. Mais voilà, j'ai pas le choix. Je dois arrêter la série. C'est la première fois que ça m'arrive à cause d'un problème technique. Une fois, bon, j'avais dû arrêter la première fois Link's Awakening parce que j'avais changé de PC, hein, c'était au tout début de la chaîne. Il y a une autre série que j'avais dû arrêter, je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était Conker, mais ça c'est parce que je m'amusais pas autant que je l'aurais souhaité sur ce jeu. Donc voilà, je suis obligé d'arrêter Spore. Je laisserai les précédents épisodes parce que bon, je les trouve pas mauvais, hein. Personnellement, j'ai trouvé ce jeu vraiment super sympa. Je vous conseille de. Bah non, du coup, je peux pas vous dire ça. J'allais dire, je vous conseille de l'acheter et d'y jouer vous-même. Mais si vous rencontrez le même bug, ça vous fera 5-10 euros dans le vent. Du coup, bah, je sais pas. Faites comme vous le sentez. Et moi, j'ai pas le choix. Je dois arrêter la série. Ça me fait chier. Mais des fois, des sacrifices sont nécessaires. Bon, bah, je vais essayer de trouver un jeu pour remplacer Spore le mardi. Ou alors, je ferai Saints Row 3 le lundi à la place. Donc voilà. Bah, écoutez, bonne continuation pour vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Et prenez soin de vous. C'était Miros. A plus, tout le monde.